c'est Alexandra Fechner, donc ma productrice, qui m'a proposé. Moi, je ne connaissais pas du tout. Je suis allé voir le palais sous la neige, d'ailleurs, avec elle. Et je me suis dit que c'était l'histoire d'un homme qui avait construit une cabane pour enfants romantiques. Ça, je trouvais ça sympathique. Une cabane pour enfants romantiques. Ah oui, non, une cabane pour enfants, et que c'était une histoire romantique. Ah ouais. Pardon. Une cabane pour enfants romantiques. Une cabane romantique ou une cabane romantique. Vous êtes dingues tous les deux, vous êtes au courant de ça quand même. Que là, il faut que vous commenciez à comprendre un truc maintenant tous les deux, c'est très important. C'est que tu es lettré. L'étalon de la normalité, c'est moi. Dès que vous êtes perdu sur un truc, vous dites tiens. Non, mais c'est parce que tu sais, les acteurs sont un peu. C'est Flammarion. C'est Flammarion qui sort le livre. Alors, moi, c'est un bouquin qu'on m'a demandé de faire après. Donc, je suis tombé sur une demande d'un travail universitaire sur le facteur que je n'avais pas fait avant. Et je pense que c'est tant mieux que je ne l'ai pas fait avant. J'aurais perdu l'instinct. J'aurais été trop submergé par les informations. Le travail universitaire m'a permis de retrouver. Par exemple, le fait que Facteur avait on est allé jusque dans les écrits de vente, de territoire, voilà. Enfin, on a fait un travail parce qu'il a racheté, très fort. Il a racheté des morceaux. Il a racheté des il morceaux. Il a eu une dot, je ne sais plus, de sa première femme. Et... Alors, il y a l'argent de sa femme d'abord. Oui, une dot, ouais, comme ça. Ensuite, c'est quelqu'un qui a... Ensuite, voilà. C'était quelqu'un qui était très généreux. Il prêtait beaucoup d'argent. Voilà. Mais il y avait une générosité dans les villages qui n'était pas la même que dans les grandes villes en France à l'époque. Voilà. C'est ce que j'ai pu comprendre. Il a acheté des parfums. On a réussi à avoir des informations du clergé, sachant qui était la personne, qui l'a mariée. Voilà. Donc, il y a beaucoup, beaucoup plus d'informations dans le bouquin. Mais moi, je ne voulais pas faire un film universitaire d'historien. Moi, je m'ennuie quand je vois des films où je suis submergé par les infos. J'avais envie d'un film où tout d'un coup, j'avais une histoire d'amour où il y avait deux êtres qui arrivaient à tenter de se comprendre et qui s'aimaient. Voilà. Après, toutes les informations historiques dans le facteur sont vraies. D'abord, j'ai jamais fait de documentaire historique. Je pense que je ne suis pas la bonne personne pour ça. Moi, ce que j'aime, c'est rencontrer et apprendre grâce aux autres. Et ça, le documentaire m'a fait Moi, si je n'avais pas fait de documentaire, je serais devenu un sale con, il n'y a aucun doute. Mais les gens que j'ai rencontrés dans le documentaire m'ont fait du bien, m'ont soigné un peu. Mais Les Facteurs est un film qui soigne, je crois, j'espère. Je pense que ce qu'il véhicule comme message, je crois que l'histoire d'amour qu'il vit avec sa femme, l'histoire d'amour qu'il vit avec sa fille, l'histoire d'amour qu'il vit avec sa propre folie, le fait qu'il ait envie de se dépasser lui-même et le fait qu'il ait envie d'accéder au bout de ses rêves, je pense que c'est un film, tu l'avais dit une fois, je n'ose pas le dire, mais Jacques disait que c'est un film qui fait du bien à l'âme. Après, moi, je le vois dans les salles. J'en ai fait une trentaine. Il semble quand même que c'est un film qui fait du bien aux gens. Ouais. C'est un film câlin. Voilà. Mais c'est-à-dire que ça se justifie en rien. Quoi. C'est ça que j'aime aussi dans cette histoire et dans ce montage aussi, c'est que ça ne se justifie pas, on ne justifie rien. Ça, voilà, ça, c'est comme ça. Et du coup, une fois que c'est comme ça, alors on creuse. Une fois qu'on est à cet état-là, c'est comme ça, elle l'aime. Lui, sans doute oui, mais on ne sait jamais très bien lui ce qu'il pense ou ce qu'il ressent. Et puis on part de là, puis comme on affirme cette chose qui ne se justifie jamais, qui ne s'excuse de rien, qui ne s'explique de rien, du coup, ça, moi je pense que c'est ça aussi qui crée une force de bulldozer comme ça, qu'avant, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui se passe. Oui, j'ai beaucoup aimé faire ce personnage, jouer ce rôle dans cette dimension très grande, l'amour. Il y a une sorte d'ouverture comme ça, une puissance de
de savoir écouter l'autre, de le regarder, de l'aimer simplement, d'être à ses côtés. Et j'ai pas du tout pris le scénario comme quelque chose d'un peu naïf ou de, je me suis dit tiens, ce personnage de femme, j'aurais pu lire comme une femme dans la soumission, un peu rabat-joie au moment où il fait son œuvre et qu'elle ne comprend rien et qu'elle pique des sortes de scènes de couple un peu comme ça au premier degré, ça aurait été terrible. Le fait d'y voir quelque chose d'extrêmement puissant entre ces deux êtres-là, ça m'a donné envie, mais à un point, vous pouvez même pas imaginer. J'ai trouvé ça très fort. Moi, j'avais peur parce que au Trif, c'est 2000 personnes. Donc, 850 personnes, c'est à part les enfants qui vont pas rester, quand même la moitié du village. Et les gens étaient enchantés du film. Enchantés. Ils avaient l'impression qu'on avait respecté le palais, respecté le facteur, qu'on l'avait compris. Certains le découvraient même, non ? Le redécouvraient. Oui, enfin oui. Les gens disaient, ça fait 30 ans qu'on vit avec lui, mais là on l'a vu. Oui, c'est ça. C'était beau. Ouais, c'est là on l'a vu.